Les histoires de Peppa Pig. Sautons à pieds joints. Peppa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché. Oh. Et maintenant, leur ventre gargouille. On mange quoi pour le dîner? Mon bidou fait plein de bruit. Ce soir, les enfants, on mange des tacos. Ouais. C'est quoi un tacos? Et comment ça se prépare? Oh, c'est un plat délicieux qui vient du Mexique. Et la meilleure façon de préparer des tacos, c'est de le faire tous ensemble. Peppa, George et Maman Pig lavent les légumes pour les tacos. Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés. Flic, flac, flic, flac, lavons les légumes. Flic, flac, flic, flac, lavons les légumes. Maintenant, Peppa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes. Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons. Voilà pour toi, papa. Ça va pas, papa? T'aimes pas les oignons? Oh, sois tranquille, Peppa. Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde. Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux. Je sais. Peppa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons. C'est juste parfait, Peppa. Ah, encore des oignons, Papa Pig? Maintenant, préparons un peu de guacamole. J'adore le guacamole. Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Peppa. Peppa aime écraser l'avocat. C'est très marrant et très salissant. Oups. Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Peppa? Parfait. Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients. Ainsi qu'un petit zeste de citron vert. Oh, très bien, Georges. Tu peux ajouter le petit zeste. Bah heureusement que je porte mes lunettes de sécurité. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos. Maintenant, c'est la meilleure partie. Prenez votre tortilla comme ceci. Et ajoutez-y vos ingrédients préférés. Peppa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole. George, lui, préfère ses tacos vides. Maman et Papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos. Tout le monde trouve les tacos très bons. Mais tout le monde a fait tomber sa garniture. Ouais! Maintenant, on peut de nouveau les préparer. J'étais presque... Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh, vous voilà les enfants. Il nous faut plus de décorations dans la classe si on veut que la pièce soit plus jolie. Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs. Pompons. J'adore ce mot, moi. Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et c'est parfait. J'arrive pas à fabriquer la fleur. Je vais t'aider un peu. Oh, c'est très... Oh, c'est bien difficile. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs. On en a vraiment trop fabriqué. Mais bien sûr que non. Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie. Oh, j'ai une idée. Et si on fabriquait un délicieux guacamole? Guacamole? Du guacamole. C'est une recette mexicaine à base d'avocat que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas. Guacamole. 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 Madame Gazelle épluche un avocat
et ajoute un peu de jus de citron vert et de sel dans le saladier. Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger. Du bon guacamole, waouh! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole? Avec plaisir! Délicieux! Quel délice! Guacamole! Quel délice! Guacamole! Tout à fait, Peppa! Un autre excellent moyen de célébrer Cinco de Mayo est de chanter. Quel délice le guacamole! Quel délice le guacamole! Quel délice le guacamole! Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo. Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis. Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo. Mais par-dessus tout, elle adore. C'est l'heure du dîner. Mais problème, le dîner a brûlé. Oh, c'est pas vrai. À ton avis, ça se mange quand même? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger. On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement. On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis. Je peux avoir ça, s'il te plaît? Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner. On va prendre ça et puis ça. Et surtout, n'oublie pas la super surprise. Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats. Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture. Ensuite, ils viendront la livrer. Oh, mais comment ils savent où on habite? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé. Et comment ils vont venir ici? Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo. Oh, regarde! Elle est presque arrivée! Allons la chercher! Hein? Peppa et George ont ouvert la mauvaise porte. Oh. Voilà ce que tu as commandé, Peppa. Et surtout, bon appétit. Merci. Oh, je dois y aller. J'ai plein de plats à livrer. Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps. Et la super surprise, c'est pour plus tard. Peppa et George ne savent pas ce qu'est la super surprise. J'adore le riz. Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées. C'est mon plat favori. Oh, c'est peut-être mon plat favori aussi. Je peux goûter? Oui, mais prends-en une petite bouchée. J'adore les nouilles. Oh, mais c'est un peu épicé. Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Peppa. Oh, tiens, essaie un rouleau de printemps. Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré. Peppa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois. Êtes-vous prêts pour la super surprise? Ouais. Ça s'appelle des biscuits chinois. Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance. La chance, c'est vraiment délicieux. Peppa adore commander chinois. Tout le monde adore commander chinois. Bienvenue au magasin de glace. Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Peppa et George jouent au marchand de glace. Et voilà, monsieur Papa Pig. Oh, merci beaucoup. Oh. Qu'est-ce que je vous sers, madame Maman Pig? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît. Parfait. C'est quoi un banana split, mamie? C'est un type de dessert. D'abord, il faut couper une banane en deux. Banane! Oh,
Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée. Georges aime ajouter de la glace. Attention à ne pas écraser la banane. Et Peppa adore ajouter de la crème fouettée. Oups. Oh. N'oublie pas la cerise sur le dessus. Voici votre banana split, Madame Maman Pig. Il a l'air délicieux. Oh, s'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory. Nokonori? Qu'est-ce que c'est, madame? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae. On ne peut les manger qu'en bonne santé? Mais non, pas du tout, ma chérie. Tu peux en manger quand tu veux. Tiens, je vais te montrer. Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème. Peppa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre. Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus. Puis ajoute des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du poulet. Et voilà, madame. Ça a l'air merveilleux. Maintenant que chacun est servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux? Un arc-en-ciel. Un ciel. Peppa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs. Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane. Banane. Puis, ils ajoutent les garnitures. Mélangeons tous les ingrédients. Peppa et Georges ont mélangé toutes les couleurs. On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel. Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants. Tout ce qu'on a maintenant, c'est des cornets de vanille. Ma préférée. Peppa et Georges adorent faire des glaces spéciales. Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras à la garderie de Peppa. Waouh! Une glace! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées? Mais bien évidemment! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy? Et encore un peu par ici. Wow! Qu'est-ce que c'est? Que dessinez-vous, Madame Gazelle? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention, reculez un peu, les enfants. Waouh! Peppa! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa! Et je suis vraiment exquise! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après? Mais bien sûr! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge! Orange! Jaune! Vert! Bleu! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel! Oh, mais non, pas du tout! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli! Je veux en avoir! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde!
Ouais. La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle, gonfle. Oh là là! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants. Mais ça fait un super trampoline! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Oui! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruit. Il fait sortir tout le jus des oranges. Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit? Bien sûr, vous pouvez tous essayer. Ouais! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Oui, mais moi j'ai mal aux mains. Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus. Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh, je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit? Oui, tout le monde peut essayer. Ouais! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça. C'est comme sauter dans des plaques de boue. Bravo, les enfants! Maintenant, suivez-moi. C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là? Squeak! Elle est rouge! Peut-être que c'est de la fraise! Bravo, Mandy! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là? Elle est verte! Donc, à la pomme! Bravo, Suzy! Et celle-là? Elle est multicolore! C'est excellent, Peppa! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits. Du jus d'arc-en-ciel! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux. Là, la salle de dégustation. C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité. Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus. Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits. Miam! C'est du jus d'orange! Je crois que c'est du jus de pomme. Celui-là a le goût de tous les jus mélangés. Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel. Miam, miam, miam. Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits. Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades reçoivent un cours très spécial. Aujourd'hui, nous allons parler du 4 juillet, la fête de l'indépendance américaine. Mais qu'est-ce que c'est l'indépendance? La fête de l'indépendance est une journée où les Américains célèbrent tout ce qu'ils aiment dans leur pays. Et aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur. Joyeuse fête de l'indépendance, les enfants! Monsieur Boule est parti en vacances aux États-Unis et il a accepté de partager certaines des choses qu'il a aimées avec nous. Tout d'abord, il y a une spécialité américaine qu'on appelle le barbecue. On peut cuisiner ensemble avec mon nouveau barbecue. C'est moi qui serai votre expert en grillade. Oh! Le barbecue de Monsieur Boule est très gros. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Mais nous avons prévu de faire un barbecue plus tard, à l'extérieur. Avec plaisir. D'abord, nous allons nous habiller. Peppa et ses amis sont habillés aux couleurs du drapeau américain. En rouge, blanc et bleu.
L'expert en grillade et son barbecue sont en forme et prêts pour l'action. Ça y est, c'est l'heure? Non, oh. Monsieur Boule. D'abord, nous devons décorer. Oh, bien sûr. Je retourne à mon grill, alors. Allez! Ensuite, tout le monde accroche des décorations rouges, blanches et bleues. Oh. Maintenant, Peppa et ses amis fabriquent un drapeau américain. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain? Plein, tout plein. Oui. Eh bien, dites-moi, ça fait vraiment beaucoup d'étoiles, les enfants. Le drapeau américain compte 50 étoiles, une par état, en fait. On peut faire le barbecue, ça y est? Oui, ça y est. Oui. Monsieur Boule est vraiment content d'utiliser son barbecue. J'espère que vous êtes prêts à manger un authentique barbecue américain. Oh, 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 oh. Mais le barbecue a brûlé toute la nourriture. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Pas de soucis, je ne suis pas qu'un expert en grillade. J'ai un don pour les délicieuses tartes aux pommes 100% américaines. Ouais. J'adore la tarte aux pommes. Il n'y a pas plus américain que ce délice, surtout avec des feux d'artifice. Tout le monde adore les feux d'artifice et la tarte aux pommes, surtout pour la fête de l'indépendance. La bonne nourriture. La bonne... Aujourd'hui, sur le bateau de croisière, Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier. Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté. On peut tout y trouver. Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger. Bon appétit. Oh, youpi. Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents. Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa? Des spaghettis, mon plat favori. Tu as bien raison, mais n'en prenons pas trop. On pourra toujours revenir pour en reprendre. Oh, bonne idée. Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi? Tu as soif, mon petit bonhomme? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange. Essayons ceci. La machine à jus d'orange est très bruyante. Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange. Oh. On va en préparer un peu plus, je crois. Délicieux. Il me tarde de... Oh. Oh. Tu mourrais de faim, Peppa. Je peux en avoir encore, s'il te plaît? Bien sûr, viens avec moi. Ouais. Papy Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour George. C'est pas vrai. Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Ça arrive tout de suite. Peppa a trouvé une machine spéciale, la machine à pancake. Juste un pancake, s'il vous plaît, Monsieur le robot. Je peux toujours revenir en chercher un autre. C'est parfait. Non. Oh. Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis. Fini. Oh. Merci beaucoup, robot des pancakes. Mais maintenant, Peppa a soif. Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig? Bien sûr. Papy Pig va aller t'en chercher. Je me demande ce qui lui prend tout ce temps. Papy Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange. En vérité, Papy Pig a préparé beaucoup de verres de jus d'orange. Voilà. La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange. Mais, Papy, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus. Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre. Peppa adore les buffets à volonté. Et Georges aime vraiment le jus d'orange. Aujourd'hui, Peppa et Georges partent pique-niquer avec Mamie et Papy Pig.
C'est presque fini. C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique. Ça va aller, Peppa? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique. Mais ça ne rentrera jamais. Es-tu sûre qu'il te faut vraiment tous tes jouets? Oh non, tu as raison. Je vais simplement apporter Teddy, en fait. Dinosaure! Et dinosaure! C'est merveilleux, car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets. Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa? Oh! Et si on faisait des spaghettis? J'adore les spaghettis! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique. Que penses-tu de sandwich? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup. Quel est ton sandwich préféré, Peppa? À la confiture. Peppa, George et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture. Ouais. Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa? On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette. Tu peux en trouver une, papy? À vos ordres, Peppa. Oh non! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant. Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre. Pas de soucis. Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussure? Les sandwichs de Peppa sont en forme de triangle. Ta-da! Et ceux de George en forme de dinosaure. J'ai trouvé la nappe. Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange. Félicitations, Peppa. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. On va s'amuser comme des petits fous. Oh non, il pleut. Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie. Oh, c'est pas vrai. On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur à la place? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur. Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut. Et tous mes jouets peuvent venir avec nous. Tout le monde adore le pique-nique de Peppa. Et Peppa a adoré le préparer pour sa famille. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, les enfants. Joyeuse Pâques, Madame Gazelle. Aujourd'hui, Peppa et ses amis font de nombreuses activités pour Pâques. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour vous. Mademoiselle Rabbit! Bonjour les enfants. Le lapin de Pâques m'a envoyé pour jouer à quelques jeux de Pâques avec vous. Mais d'abord, nous devons tous nous transformer en lapin de Pâques pour la journée. Oh, je vois que tu es déjà un lapin de Pâques, on dirait. Maintenant, qui veut décorer quelques œufs de Pâques? Peppa et ses amis peignent des œufs en bois. Rappelez-vous, les enfants, vous pouvez décorer votre œuf de Pâques comme vous le souhaitez. Bonjour, monsieur l'œuf. Mince, on dirait que Danny Dog a reçu par erreur un véritable œuf. Danny, qu'est-il arrivé à ton œuf? Ouf, eh ben, on dirait que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'œuf. J'en ai un autre à te donner. Très bien, mes lapins, suivez-moi. Peppa et ses amis sont sortis jouer à un jeu très spécial pour Pâques. Bien, nous allons jouer au bunny bowling. Faites rouler vos œufs sur le sol et voyez combien de lapin-quilles vous pouvez faire tomber. Bien essayé, monsieur l'œuf.
que vous avez tous gagné. Bravo, mes petits. Vous avez tous gagné un prix de Pâques très spécial. Une médaille. Et cerise sur le gâteau, ces médailles sont en vérité en chocolat. Y a-t-il un autre prix pour celui qui mangera le plus de chocolat de tous? C'est officiel. Peppa et ses amis adorent Pâques. C'est la Saint-Valentin. Peppa et George préparent un dîner très spécial pour maman et Papa Pig. Papa Pig aide les enfants. Bouchons de bois. On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, Mamie Pig. Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément. Attendez, on pourrait faire des pizzas en forme de cœur. Et maintenant, les enfants, on jette la pâte dans les airs, comme on le fait toujours à Rome. C'est une ville en Italie, figurez-vous. Oh. Oh. Comme on le fait à Rome. Oh. On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin. Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe. Peppa et George récoltent des légumes. Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas. Ramenons ces légumes à l'intérieur. Peppa et George ajoutent des légumes sur leur pizza. Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales. On peut ajouter la nourriture préférée de maman et papa Pig. Bonne idée, Peppa. Quels sont leurs plats favoris? Les spaghettis et le gâteau au chocolat. On devrait dessiner maman et papa sur nos pizzas. Peppa et George créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas. Là, c'est vraiment spécial. George! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin. Du gâteau au chocolat, mon plat préféré. Un dinosaure en spaghetti. Merci, Peppa et George. C'est trop beau, je n'ose pas la manger. Maman et Papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale eux aussi. Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales? Poisson d'avril. Poisson d'avril? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces. Est-ce qu'on peut en faire une à papa? C'est une superbe idée. Papa Pig lit sur le canapé. Mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig? Bien sûr. Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Ah, merci beaucoup. C'est étrange. J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude. Poisson d'avril. Je n'avais pas vu, ce sont de fausses lunettes. C'est vraiment très drôle. Mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi. Je suis bien trop malin pour me faire avoir. Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. J'arrive pas à
boîte de chips. Est-ce que tu peux m'aider, Papounet? Mais bien sûr, Peppa. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Poisson d'avril. Tu m'as encore piégé, Peppa. C'est vraiment bien joué. Ah, j'ai une idée. Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert, pas vrai, Peppa? Oui. Comme c'est gentil, il a l'air délicieux. Non? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner. Et c'est avec les mains, Maman Pig. Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig. Oh! Attendez, ce n'est pas un gâteau. C'est une éponge couverte de glaçage. Poisson d'avril! Oh. C'était une très bonne blague. Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa. Oh, super! Merci, Georges. J'adore les biscuits. Poisson d'avril! Peppa adore les poissons d'avril. Tout le monde adore les poissons d'avril. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché! Ah ouais, tu t'es maquée! Qu'est-ce que c'est? Un robot? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît? Oh, d'accord. Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui! Prends ça, Peppa. Au revoir, pièce. Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais un jus d'orange. Il est tombé! Hurra! Délicieux! Dinosaure! Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, Georges. Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois? Dinosaure! Je crois que je vais prendre ceci. Oh, c'est pas vrai, elle est coincée. La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber. Vilain sandwich! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh! Encore coincé! Vilain ananas! Oh. Achetons aussi l'ananas alors. La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi! Je vais enfin pouvoir me désaltérer. Oh, oh non! Ma boisson s'est transformée en gaz. Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique. Très bonne idée. Oh, le distributeur est vide. C'est parce qu'on a déjà tout acheté, papa. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Ha ha ha!
Bravo, Edmund. Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre. Suivez-moi. Maintenant, au tour de George, Peppa et Edmund éléphant de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund. On peut le faire ensemble. Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh, ça semble difficile. C'est comme la balançoire au parc, Emily. Comme ça. Peppa sait très bien se balancer. Ouais. Surtout, accroche-toi bien, George. Maintenant, à ton tour, Edmund. Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund? Bonne idée. Youpi! On a réussi. Merci, Emily. Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin. Il n'y a rien pour se balancer. Oh là là, cette pièce est un véritable casse-tête. Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah, j'ai trouvé. Mais Edmund éléphant est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez. Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hourra ! C'était très malin, Edmund. Edmund ? Oui ! Et Edmund éléphant a hâte de recommencer. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font le tour d'un salon de l'aviation. Mademoiselle Rabbit dirige une montgolfière. Le ciel est rempli de montgolfières. Waouh, il y en a des milliers. Un nuage, un brocoli, un clown, un dinosaure. Oui, c'est exactement ça, George. C'est quoi ça? Ça, c'est un biplan, Peppa. Et qu'est-ce qu'il fait? Certains avions peuvent écrire des messages ou même dessiner dans le ciel. Le biplan a dessiné Peppa dans le ciel. Mais c'est moi! Bonjour tout le monde! Bonjour, Docteur Hamster! Merci pour le dessin de moi dans le ciel! Tout le plaisir est pour moi! Et hop, je repars! Hein? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une autre montgolfière? C'est un dirigeable! Il flotte comme un ballon, mais a de petites hélices qui l'aident à voler, comme un avion, vous voyez? Peppa et George trouvent le dirigeable très fascinant. Est-ce que vous voulez monter dedans? Oh oui! Le dirigeable s'envole dans le ciel. Qu'est-ce qu'on est haut! Ici, votre capitaine qui vous parle. Dans le ciel, vous apercevez des oiseaux. Bonjour les oiseaux! Un nuage? Bonjour les nuages! Oh! Et le docteur Hamster! Tiens, vous revoilà! Il y a tellement de boutons! Oh oui! Ça demande du travail de piloter un dirigeable comme celui-ci. Donc, ne touchez pas les boutons. Oh! Ce manche m'aide à déplacer le dirigeable dans les différentes directions. En haut, en bas et sur les côtés. Oui! Et la radio permet de faire des annonces à tout le salon de l'aviation. Oh! Est-ce que je peux faire une prononce? J'ai une très grande renonce à faire. Bien sûr!
Bonjour, je suis Peppa Pig. Je suis dans un dirigeable. C'est comme un ballon, mais aussi un peu comme un avion. Passez tous un super moment au salon de l'aviation. Oh, c'est pas vrai, on a oublié un élément très important. Une casquette de pilote pour Peppa et George. Je suis capitaine Peppa. Peppa adore le salon de l'aviation. Tout le monde adore le salon de l'aviation. Et voilà, un super strike pour un super joueur. Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling. Mais je veux faire un super strike, moi aussi. Je sais comment faire. J'ai joué au bowling des tas de fois. Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa. D'accord. Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau des scores. Oh. Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Ouistiti ». Ouistiti. Parfait. Voici votre piste de bowling. Oh. D'abord, tu choisis une boule de bowling. Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça. C'est à moi d'essayer. J'aime bien celle-là. La boule rose est très lourde. Essaye plutôt celle-ci. Elle est plus légère. Oh, oh, sapristi! Est-ce que quelqu'un a perdu une boule? Oh non! À moi d'essayer. Oh. La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups! À moi! Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Giraffe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de soucis! Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer. Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça. Oh. Ouais! Bravo, bravo, bravo! Vas-y, essaye, Pedro! D'accord, mais je veux pas que ma boule de bowling rebondisse. Pas de problème. Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite. Oh, ça, c'est chouette! Peppa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling. Chacun à sa façon. Mais Suzy Chip veut encore faire son super strike. Bien! Attention, les enfants, c'est votre dernière boule! Bonne chance à vous! Regardez bien! Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Oh! Wow! Et voilà! Un super strike pour une super joueuse! Ouais! Suzy Chip a fait un super strike. Ouais! Suzy Chip adore le bowling. Tout le monde adore le bowling. Peppa et sa famille voyagent en avion. Youhou! Ouais! J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh, bonjour Madame Gazelle! George et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous? Ah, Peppa, en vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur. Je crois que j'ai la solution. Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut? Oui, et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut, Madame Gazelle! Regardez, nous sommes presque dans l'espace! Oh, plus bas, plus bas! Oh. Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit? Oui, certainement. Oh, c'est trop bas. C'est
beaucoup trop bas. Ah! Et si on faisait un looping alors? Oh, ça ne marche pas non plus, Georges. Oh, regardez, Madame Gazelle. Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, oui, c'est vrai. Ah, et celui-là ressemble à une île déserte tranquille. Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivé. Raté. Bonjour, voulez-vous un livre d'activité? C'est très amusant. Oh oui, avec plaisir. Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa. Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ces traits, ces détails, ces couleurs, ces courbes, c'est superbe! C'est une véritable œuvre d'art! Oh! Hourra! On a atterri! Oui! Déjà? Oh, je m'amusais si bien. Je n'avais absolument pas peur du tout. Je vous l'avais dit, l'avion, c'est vraiment rigolo. Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges. J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle. Le rock des gazelles. Mais je vois rien. Et maintenant? Ouais, merci beaucoup. C'est pas vrai. Gérald Giraffe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde. Oh, salut Peppa, salut Georges. Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir. Et deux, et un, deux, trois, quatre. Tout le monde passe un merveilleux moment. Peppa et Papa Pig aiment beaucoup la musique. Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa? Oui. Est-ce que tu t'amuses bien, Georges? Peppa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous. Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou. Amuse-toi bien, Georges. Ouais, tout le monde est en train de danser. C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent. Oh, oh, oh. Il y a même des ballons de plage gonflés. Allez. Bravo, Peppa. Oui. Merci à vous. Merci. Oups. Désolé, Monsieur Boule. Désolé, Madame Gazelle. Ne t'inquiète pas, Peppa. Ça arrive tout le temps. Oh, ça ne fait rien. D'ailleurs, j'adore la musique pop. En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson. Un, deux, trois, quatre. Pop, ouais, pop, les bulles font pop à volonté. Pop, pop, oui, les bulles font pop, oui, les bulles font pop toute la journée. Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté. Vous nous avez trouvé. Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert. Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène. Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté. Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop toute la journée. Ouais! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle. Et tout le monde adore les bulles qui font pop.
Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Patate, la comédie musicale. Bon sang! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation. Oh non! On va être tout mouillé! Pas de souci, nous allons prendre le métropolitain pour rester au sec. Ouais! Le métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais. Et il y a une carte toute colorée qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis. Oh, alors là, nous sommes ici. Et nous devons aller ici. On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... le train rouge. Oui, tout à fait, exactement, Peppa. Et maintenant, tous en route. D'abord, Peppa doit valider son ticket à la borne. Merci beaucoup, petit robot. Oh non, je suis coincée. Tiens bon, Peppa. Je vais te sortir de là. Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit. Par ici, Peppa. On suit la ligne bleue, tout le monde. Oh. Eh ben, je suis coincée aussi. Le train arrive à quai après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Pourquoi tous ces gens se dépêchent? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte. Attention où on met les pieds, d'accord? Bonjour tout le monde. Bienvenue à bord du train bleu. Attention à la fermeture des portes. Tiens-toi, Peppa. Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer. Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains. Descendre ici pour prendre le train rouge. Le train rouge, c'est pour nous. Attention à la marche, Georges. Attendez-moi. Tenez-vous bien, tout le monde. Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes. On risque de rater le début. Oh, je vous garantis que non. Suivez-moi. Oh, je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate. Hurrah! Attention, mesdames et messieurs, grande célébrité en approche. Faites place à la star, merci beaucoup. Oh non, pas d'autographe aujourd'hui. Super Patate est pressé aussi. Tout le monde dans le métro est toujours pressé. Attention, stop! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare aux canards. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon, la route est fermée pour le moment. Mais la mare est juste là. Oh. Oui, mais c'est bien trop glissant. Oh. Oh. Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite. Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde, nous partons à l'aventure. À bientôt les gars. J'en ai trouvé une. Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge. Puis une autre. Et encore une autre. Mais le cinquième panneau est tombé. On se lève, madame la pancarte. Personne ne sait quelle est la bonne direction. Devrions-nous aller à gauche ou à droite? Le droit chemin devrait être à droite. Oh, est-ce qu'on est perdu? Nous ne sommes pas perdus, c'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdu. Regardez, un canard. Bon,
Bonjour, canard. Excusez-moi, madame la canne. Savez-vous où la mare au canard pourrait se trouver? Quelle chance nous avons! Guide-nous, gentil petit canard. C'est le chemin des canards, papa. On doit tous se dandiner comme des canards. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards. On a réussi! Ouais! Vous en avez mis du temps! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. Oui, c'était bien plus marrant. Oh, et bien moins glissant. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de kart. Bonjour mes petits, qui est prêt à faire la course en kart? Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de course. Oh, le rouge, c'est ma couleur préférée. Et n'oubliez pas vos casques de sécurité. Maintenant, choisissons vos bolides. Ouais. Danny Dog a mis son casque à l'envers. Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter. Et avec le volant, on fait tourner le kart. C'est aussi simple que la bicyclette. Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur? Je conduis une grosse voiture tous les jours. Le kart, ça devrait être facile. C'est pas vrai, je suis allée un peu trop vite, je crois. Alors, comment je retourne cet engin? La course de kart a commencé. C'est chouette. Mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaie de pédaler vers l'avant, Suzy. L'avant? Oh. Danny Dog pédale très vite. N'oublie pas d'utiliser le frein, Danny. Ouf. Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. J'ai compris. Ça, c'est la marche arrière. Vous avez besoin d'aide, Maman Pig? Oh, non merci, Mademoiselle Rabbit. Je suis sûre que je vais y arriver. Oh, mon kart n'arrête pas de trembler. Peppa prend toute la place sur le circuit. Tourne le volant plus doucement, Peppa. C'est bien mieux. Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. Ah, ça va mieux. Oui. Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart. Terminé. Bravo mes petits. Mais la course de kart est terminée. Peppa et ses amis adorent les courses de kart. Aujourd'hui, la classe de Peppa fait une sortie au lac. Les enfants vont apprendre à ramer. Désolée les enfants. Bonjour Mademoiselle Rabbit. Bonjour, vous êtes prêts à faire du canoë aujourd'hui? Oh oui! Les canoës sont juste là. Allons-y! Ouais! Tout le monde porte des gilets de sauvetage et des casques pour rester en sécurité sur les bateaux. Vous m'avez l'air prêt à partir. Oui!
Peppa, Suzy et Pedro, vous viendrez dans le canoë rouge avec moi et Grandpa Rabbit. Et donc, Mandy, Émilie et Dani, vous irez dans le canoë bleu avec moi et le capitaine Dog. Pour ramer, vous devez placer ce bâton qu'on appelle une rame dans l'eau et tirer comme ceci. Et hop ! Oui ! À vous d'essayer. Tout le monde est très content de faire du canoë. Mais personne ne rame en même temps. Pourquoi le bateau reste immobile, mademoiselle Capitaine Rabbit? Tout le monde doit ramer en même temps, comme ceci. Quand je dis « et », on pousse. Et quand je dis « hop », on tire. Essayons tous ensemble. Et hop! Très bien. Ouais. Le bateau navigue le long de l'eau. Tout le monde travaille en équipe. Et hop! Tout le monde s'amuse beaucoup sur les canoës. Mais il est bientôt l'heure de rentrer. Maintenant, il est temps de regagner le rivage, les enfants. Vos parents sont venus rien que pour vous. Squeak, on peut faire la course jusqu'au bar? C'est une excellente idée, Mandy. Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt! À vos marques! Prêt? Bravo! Tout le monde rame aussi vite que possible jusqu'au rivage. Peppa aide ses amis à ramer ensemble. Tout le monde adore le canoë. Et tout le monde adore travailler en équipe. Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Maman, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée. Oh, mais c'est pas vrai, ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant. Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi tout le monde, allez. Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Et je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et George cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché. Oh! Ha ha! Oh! Ils cherchent au zoo. Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Hourra ! Ah !
Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Oh, Youpi ! Qu'est-ce que c'est, maîtresse ? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa. J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui. Pour commencer, la peinture. Oh, mais où sont les pinceaux ? Ils sont juste ici. Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça ? Ben, je ne vois rien du tout. Nous allons peindre avec nos doigts. Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains. Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts. Oh, mais quelle jolie fleur, Peppa! Merci, Madame Gazelle. Et quel magnifique papillon, Suzy! Merci beaucoup, Madame Gazelle. Et Dani, c'est une merveilleuse flaque de boue. Merci beaucoup, Madame Gazelle. Dani saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Oh, quelle brillante idée, Dani. Ensuite, nous allons peindre nos visages. Tout le monde se fait peindre le visage. Suzy est un papillon, Dani est un zèbre, Freddy et Emily sont un tigre et un poisson. Quant à Peppa, elle est verte. Je suis verte. Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée. Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif dessus. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr. Oh? Mais je ne vois pas de dessin. C'est parce qu'il n'est pas encore fini. Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile. C'est bien, les enfants. Barbouillez, amusez-vous. Essayez de ne pas en renverser sur le sol. Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile. C'est merveilleux, j'adore. Moi aussi. Mais je ne vois toujours pas de dessin. Tu le verras bientôt, Peppa. Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme d'une étoile. Hurrah ! Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule. Arrêtez les enfants ! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boule ? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig. Là, maintenant, elle est comme neuve. Vous pouvez jouer à gogo. Ouais. Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule. Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boule ? C'est amusant. Moi ? Pourquoi pas ? Avec plaisir. Elle est bien réparée, après tout. Oh, c'était vraiment bien. Mais comment vas-tu redescendre? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre. Vous comprenez, Monsieur Boule? Oh, comme ceci? Oui. Monsieur Boule est coincé en bas de la balançoire à bascule. Monsieur Boule est un adulte et Peppa est petite, donc la balançoire à bascule est déséquilibrée. Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa. Sapristi, comment sais-tu tout ça? Je suis un petit malin. Oh? Alors, très bien. Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourde. Oui! On est aussi haut que les nuages. Monsieur Boule est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule.
Après tout, ça peut être amusant en bas aussi. Quelle superbe vue de la pelouse. Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boule. Miaou. Ah, je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici. Papa, tu es un adulte toi aussi? Oh, mais oui, c'est exact. Je vais jouer avec vous, Monsieur Boule. Oui. Oh. Papa Pig et Monsieur Boule sont tous les deux des adultes. La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas. Stop! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boule? Si, je passe un merveilleux moment. Je voulais juste apprécier la vue. Okidoki, on y retourne. Oui, on file dans les airs. Bonjour le soleil. Bonjour l'herbe. Bonjour les nuages. Bonjour Peppa. Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Merci, mesdames les policières. À votre service. Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes. Oui. Oh, bon sang. Que se passe-t-il, madame Gazelle? Oh, j'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu. Oh, on dirait bien qu'il y a un mystère. Soyez tranquille, la policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire. Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Du violet, la même couleur que le t-shirt de Danny Dog. Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny? Non, je ne crois pas, non. Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions. Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi. Ce poste de police n'a même pas de porte. Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon. Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo? Rouge, non, vert ou peut-être rose. Non, bleu. Tu nous as bien aidés. Fouillons toute la pièce. Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part. Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part. J'ai une super idée. Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle. Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh, il est là. Ouais. Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé. On a résolu ce mystère. Merci beaucoup de m'avoir aidée, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Maman Pig dépose Peppa à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh, bon sang. Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle? Bien sûr, allez-y. Oh, on peut aider à le changer? Pitié! Très bien. Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac à langer? Et une couche propre.
Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. Et voilà, propre comme un sous neuf. Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous? Pitié! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça. Ouais! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ça, ce sont des livres. Oh! Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça, ça représente le monde. Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle. Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre. Oh. Mais c'est Madame Gazelle qu'il aime le plus. Oh, est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture? Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Peppa Peinte. Bonjour. Salut Peppa. Moi, c'est Freddy. Moi, c'est Suzy. Et moi, c'est Gérald. Bravo, bébé Alexandre. On dirait une délicieuse petite pomme. La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre. Toutou. Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman? Oh, on dirait bien. C'est pas vrai. Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir? Oui, je vous en prie, oui. Oh, je vais chercher le sac. Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la gare. Ouais! Peppa et ses amis sont au cinéma. Ouais! Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro, je viens à ton secours. Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Sheep est un robot. Gérald Giraffe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la Lune. Ouais! Suivez-moi! Piou, piou! Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la Lune, tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la Lune. Oh, bonne idée, Gérald! On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer! Oh mince! Il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Suzy. Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la Lune. Bip, bip. Ouais. Papa. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la Lune? Bip! Tout ce qu'il y a sur la Lune, c'est la Lune! Bip! Bip, bip! La Lune est faite de fromage. On peut peut-être en trouver pour le déjeuner. Bien sûr! Oh. C'était quoi ça? Peut-être... de la Lune. Non, Peppa. Je suis... Oh, ton papa. Et je vous ai apporté des bons sandwichs au fromage pour le déjeuner. Miam. Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la Lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Mmh.
roi Peppa. Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi. Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture. Bien sûr, votre majesté. Ouais. Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie et elle adore aussi les festins. Regardez, je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le Roi. Oh, merci Candy, j'adore les raisins secs. Mais je commence à ne plus avoir faim. Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, Roi Peppa? Bonne idée. Tiens, ta couronne, Roi Pedro. Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie. Moi, j'ai décidé que tout le monde devait sautiller. Dites-nous pourquoi, votre grandeur. Parce que sautiller, c'est amusant. Le roi Pedro a raison. C'est marrant de sautiller. Tu sautilles très bien, Dani. Waouh, merci beaucoup, roi Pedro. Hop, hop, hop. Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller. Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous. Oh mais oui, tu as raison. Hop, 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 hop. Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy Cat? Oh, miaou, avec plaisir. Hop. Maintenant c'est Candy le roi. En fait, j'ai décidé que tout le monde devait... parlez vraiment tout doucement. Et maintenant, tout le monde doit parler fort. Et maintenant, tout doucement. Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Dani imposent. Doucement. Fort. Doucement. Et maintenant, c'est Georges le roi. Le roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosaurer. Tout le monde adore être le roi de la garderie. Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure. Ça va aller, Peppa. Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé, pas vrai, papa? Oh, oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors, ça devait être quand j'étais enceinte de Georges. Enceinte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. Oh, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde, maintenant moi aussi j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Peppa. Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman? J'avais souvent des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Miam! Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi. J'ai vraiment envie de manger des spaghettis. Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang, je vois et voilà, hop. Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds.
Donc Papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pieds. Papounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh, eh bien, je devrais me mettre au boulot. Un peu par ici, un peu par là. Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti. Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou bébé Alexandre. Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé. Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Maman, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée. Oh, mais c'est pas vrai, ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant. Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi tout le monde, allez. Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Et je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et George cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché. Oh! Ha ha! Oh! Ils cherchent aux eaux. Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Hourra! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Bonjour tout le monde, je suis Peppa la dentiste. Je vais vous aider à prendre soin de vos dents. Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades. Peppa fait semblant d'être dentiste. Ah, je vous ai eu. Merci beaucoup, Peppa. C'est bien, tu as réussi à attraper tes dents. Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin? Aller chez le dentiste. C'est exact. Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant? Gérald de Girafe n'est jamais allé chez le dentiste. Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit? J'y suis allée plein de fois. Excellente idée. Peppa fait semblant d'être la dentiste
et Gérald joue le patient. Bonjour, monsieur Gérald. Venez vous asseoir sur cet énorme siège. Merci beaucoup, madame la dentiste. Voici votre serviette. Oh, pourquoi il me faut des lunettes, madame Peppa? À cause de la lumière. Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci. Ah, que je puisse voir toutes vos dents. Oh. Peppa utilise la lampe torche pour regarder les dents de Gérald. Vous avez de très belles dents, monsieur Gérald. Vous avez mérité un autocollant. Merci beaucoup. Ouais. Bravo, Peppa et Gérald. Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison? On peut se brosser les dents. C'est ça, Suzy. Brosser ses dents les rend toutes propres. Et si on s'entraînait à brosser nos dents? Ouais. Mademoiselle Rabbit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents. D'abord, on mouille sa brosse. Ensuite, on ajoute du dentifrice. Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents. Mais Candy en a mis beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit... brosser! N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés. En haut et aussi en bas. Bravo les enfants! Ouais! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Vous avez tous gagné un autocollant! Peppa aime bien jouer le dentiste, mais elle aime beaucoup les autocollants. Cette voiture roulait vraiment très vite! Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture. Allons-y, maintenant on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour papa. Bonjour Peppa, bonjour les enfants. Bonjour papa Pig. Oh, c'est vert. Eh bien, à plus tard, Peppa. Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda. De rien, c'est mon travail. Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Oh. Non, non, non. Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours. Pimpon, pimpon, pimpon. La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons. Oh. Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Pedro, le bonhomme est rouge. N'avance surtout pas. Merci beaucoup, Peppa. De rien, c'est mon travail. Petite minute, Freddy est déguisé en voleur. Allons vite attraper le voleur. Tiens, il est là. C'est bon, on le tient. Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non, j'aime juste les rayures. Donc tu n'es pas un voleur? Non. Oh, dans ce cas, tu peux partir alors. Mais surtout, sois prudent. Ok, au revoir Peppa. Beau travail, agent Peppa. Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter. Et ne traverser que quand il voit... le bonhomme vert.
C'est bon, on peut traverser. Ça, c'est mon travail, policier panda. Peppa aime protéger les gens. Et tout le monde aime se sentir protégé. Est-ce que les volcans existent, Madame Gazelle? Évidemment. Mais surtout, soyez tranquilles, les enfants. Il n'y a aucun volcan près d'ici. Hourra! Si ce n'est les faux petits volcans que nous allons fabriquer pour notre petite expérience scientifique d'aujourd'hui. Nous allons créer nos volcans avec de la colle et du papier journal, comme ceci. D'abord, vous plongez le papier dans la colle, puis vous le collez au bécher. Et voilà notre magnifique volcan! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. La colle est très collante et salissante. Et très vite, tout le monde a terminé. Merveilleux, les enfants! Maintenant, il est temps de peindre vos créations. Peignons le nôtre en rouge, Peppa. Et le nôtre en bleu. Miaou, vert, comme un grand arbre. Les vrais volcans sont gris et sombres, avec de la lave rouge. Mais Peppa et ses amis fabriquent de petits volcans joyeux et colorés. Il est temps de passer à l'expérience scientifique. Mais d'abord, tout le monde doit mettre des gants, des lunettes et des vestes spéciales pour travailler en sécurité. Vous avez tous l'air d'ingénieux scientifiques, les enfants. Maintenant, nous sommes prêts à créer de la lave. Mais soyez tranquilles, la lave que l'on va créer n'est pas réelle. Vous êtes en sécurité. D'abord, on verse un peu de vinaigre dans nos volcans. Attention à ne pas en renverser. Parfait. Et maintenant, je vais ajouter un ingrédient magique secret dans chacun de vos volcans. Personne ne sait quel est cet ingrédient magique si spécial. Enfin, prenez votre pot de bicarbonate de soude et versez-en un peu à l'intérieur du volcan. Puis on s'écarte. Le volcan de Madame Gazelle entre en éruption, tout comme un vrai volcan. C'est à vous, les enfants. Ouais. Wow. La lave est rouge. La nôtre est bleue. La lave de Candy Cat et Gérald Giraffe est verte et toute mousseuse. Je crois qu'on a fait trop de lave. Non, Candy, tu as créé une flaque de boue. Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. Mais tout le monde adore créer des flaques de boue colorées. Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabbit construisent un fort avec des coussins. Fais attention, ne tombe surtout pas sur le fort. C'est presque terminé. On n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, de la nourriture. Maman! Waouh, quel joli petit fort! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr, je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes. Le fort était immense à l'intérieur. Wow! Attrape, Peppa. Et si on disait que le sol rebondissait comme un trampoline? Squeak! Squeak, regarde comme j'ai rebondi. Chercher en sautant. Le sol est vert. Et si on disait qu'il est tout collant? Mais la balle n'est pas ici.
Peut-être qu'elle est là-bas. Cette pièce est bleue. Et si on disait qu'elle est... froide? Voilà la balle. Hourra! Sortons vite d'ici. Par où sommes-nous arrivés? Peppa, où est-ce que vous êtes? On s'est perdu dans le fort. Je viens à votre secours. Mais non, maman. Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes. Oh, mais si, je peux passer partout. Maman Pig est coincée. Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort. Désolée. Ce jeu m'a donné encore plus envie de manger. Ça tombe bien, j'ai apporté de la nourriture. Oh, maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins. Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie. Il y a une équipe rose et une équipe bleue. Les deux essaient de gagner des médailles d'or. Attention, je vais gagner. Rebecca Rabbit trouve la course en sac très difficile. Emily Éléphant, de l'équipe rose, a gagné la course. Ouais! T'es une vraie flèche! Squeak! Oh non! Moi, j'ai perdu! Tu as fait ce que tu pouvais. Et on peut toujours gagner! Wouf! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère. Plus vite, Peppa! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son œuf. Doucement, Peppa! Ne fais pas tomber l'œuf! D'accord! Va doucement, Dani! Mais non! Pas trop doucement non plus! Ralentis! Accélère! Ralentis! Maintenant, accélère! Squeak! Non! On a réussi! On a gagné la course! Wouf, wouf! Les deux équipes sont à égalité. Le prochain jeu est le lancer d'anneaux. L'équipe qui accroche le plus d'anneaux au piquet en bois gagne les Olympiades. Alors, il y a un point dans chaque équipe. Et un autre point pour chaque équipe. Il y a toujours égalité. Rebecca et Freddy, c'est à vous. Oh. Mais si je rate mon lancer, on aura perdu. Wouf! Ne pense surtout pas à la victoire. Et fais de ton mieux. Et surtout, amuse-toi comme une folle. On s'est amusé comme des fous quand même. Oui, tu as raison, Peppa. Bravo, équipe rose. Vous gagnez les médailles d'or. Et l'équipe bleue a bien joué aussi. Alors, elle gagne les médailles d'argent. Oui. L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades. Tout le monde adore les Olympiades. Aujourd'hui, Peppa et George ont décidé de porter les habits d'adultes de papa et maman. Bon sang, c'est qui ces deux adultes qui sont dans notre chambre, maman Pig? Je suis pas un adulte, c'est moi, Peppa, et là c'est George.
Vous êtes tous les deux très chics, mais pourquoi avez-vous mis nos vêtements? On voulait s'habiller tout seul aujourd'hui. Eh bien, vous avez l'air de deux grandes personnes. Mais je pense que nos vêtements sont un petit peu trop grands pour vous. Oui, c'est un petit peu large, c'est vrai. Ces vêtements vont beaucoup mieux. Finalement, Peppa et Georges ont décidé de porter leurs propres vêtements. Maintenant, vérifiez que vous avez choisi les bons vêtements pour le temps qu'il fait dehors. Aujourd'hui, le soleil brille et il fait chaud. Oh. Vous pensez que ces vêtements iront pour une journée ensoleillée? Non, ils tiennent un peu trop chaud. Et ils sont un peu lourds aussi. Peppa et Georges ont trouvé des vêtements d'été à enfiler. Voilà qui est beaucoup mieux. Maintenant, vérifiez bien que vous avez choisi les bons vêtements pour vos activités de la journée. On va à la garderie. Mais d'abord, on veut sauter dans des flaques de boue. Flac ! Quel dommage. Peppa et Georges ne portent pas les bonnes chaussures pour sauter dans des flaques. Vous ne devriez pas plutôt porter des bottes aux pieds ? Je pense qu'on devrait porter des bottes, en fait. C'est une très bonne idée. Merveilleux. On est prêt, c'est bon? Presque, papa. Je veux juste essayer une dernière chose ou deux. Bonjour, les enfants. Waouh, quelle belle tenue vous avez là, Peppa et Georges. Et ils ont choisi leurs vêtements tout seuls. Ah, ça oui, je vois. Et quelle belle botte. Pour sauter dans des flaques de boue, vous devez porter des bottes, Madame Gazelle. Bien sûr. Peppa et Georges adorent sauter dans les flaques de boue. Heureusement que j'ai eu la bonne idée d'apporter mes bottes aujourd'hui, moi aussi. Est-ce que les volcans existent, Madame Gazelle? Évidemment. Mais surtout, soyez tranquilles, les enfants. Il n'y a aucun volcan près d'ici. Hourra! Si ce n'est les faux petits volcans que nous allons fabriquer pour notre petite expérience scientifique d'aujourd'hui. Nous allons créer nos volcans avec de la colle et du papier journal, comme ceci. D'abord, vous plongez le papier dans la colle, puis vous le collez au bécher. Et voilà notre magnifique volcan! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. La colle est très collante et salissante. Et très vite, tout le monde a terminé. Merveilleux, les enfants! Maintenant, il est temps de peindre vos créations. Peignons le nôtre en rouge, Peppa. Ouf. Et le nôtre en bleu. Miaou. Vert, comme un grand arbre. Les vrais volcans sont gris et sombres, avec de la lave rouge. Mais Peppa et ses amis fabriquent de petits volcans joyeux et colorés. Il est temps de passer à l'expérience scientifique. Mais d'abord, tout le monde doit mettre des gants, des lunettes et des vestes spéciales pour travailler en sécurité. Vous avez tous l'air d'ingénieux scientifiques, les enfants. Maintenant, nous sommes prêts à créer de la lave. Mais soyez tranquilles, la lave que l'on va créer n'est pas réelle. Vous êtes en sécurité. D'abord, on verse un peu de vinaigre dans nos volcans. Attention à ne pas en renverser. Parfait. Et maintenant, je vais ajouter un ingrédient magique secret dans chacun de vos volcans. Personne ne sait quel est cet ingrédient magique si spécial. Enfin,
prenez votre pot de bicarbonate de soude et versez-en un peu à l'intérieur du volcan. Puis on s'écarte. Le volcan de Madame Gazelle entre en éruption, tout comme un vrai volcan. C'est à vous, les enfants. Ouais. Wow. La lave est rouge. La nôtre est bleue. La lave de Candy Cat et Gérald Giraffe est verte et toute mousseuse. Je crois qu'on a fait trop de lave. Non, Candy, tu as créé une flaque de boue. Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan. Mais tout le monde adore créer des flaques de boue colorées. Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses amis. Il ne fait pas très chaud. Mais chaque jeu auquel ils jouent semble les recouvrir de neige bien froide. Coucou, papa. Peppa, tu as de la neige de partout. Tu devrais vite rentrer te mettre au chaud. Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges. Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas. Est-ce qu'on peut jouer encore 5 minutes? S'il te plaît. Bon, très bien les enfants, encore 5 minutes. Ouais. Eh bien, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige. L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les intéresse pas du tout. Faisons une bataille de boules de neige. Ouais. Tu ne me toucheras jamais, Peppa. C'était quoi ce bruit? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes? Monstre des neiges! Vite, allons-nous cacher! Bon sang! Cachons-nous ici, allez! Ouf! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici! Le monstre des neiges les a retrouvés. Peppa, c'est moi. Mais ce n'est pas un monstre des neiges. C'est Papa Pig. Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges. Viens, papa, on va te réchauffer et faire fondre toute cette neige. Et retrouver mes lunettes tant qu'on y est. Vos lunettes sont là. Merci, Suzy. Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud. Il n'est plus un monstre des neiges. Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud. Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Oh, regarde, George, ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa. Oh, c'est toute une famille de dinosaures. Peppa adore le musée, mais le voilà qui ferme. Merci de votre visite, à bientôt. Mais je ne veux pas partir. Nous ne sommes pas obligés de partir, Peppa, ce soir nous passons la nuit dans le musée. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée? Mangeons un festin de minuit. Miam, miam. Bon appétit, tout le monde. Oh là là, cette orange est vraiment dure. Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique.
Que devrait-on faire maintenant, Peppa? Peppa! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée. Je suis là! Je suis un viking! Moi aussi, je suis un viking! Viking! Et moi aussi, je suis un viking! Enfin, je veux dire un mammouth laineux! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux. Je vais vous attraper, les enfants! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué. Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Trouvons un endroit où nous pourrions dormir. Oui! Bonne nuit, tout le monde! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh! Waouh! Regarde ces vikings! Papy, regarde! Et quel beau mammouth! Oh, ce mammouth! On dirait un vrai! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée. Mais qu'est-ce qui se passe? Wouf, ce n'est pas un viking! C'est Peppa! Ça alors? Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non! Nous avons très bien dormi!